Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi, c'est un nouveau début de semaine qui commence et c'est enfin cette semaine que j'ai le temps de vous faire un vlog que je voulais vous faire depuis super longtemps, qui est celui en fait où je vais tester avec vous des recettes de air fryer. Genre j'ai eu cette idée, je pense que ça fait 3 mois, 4 mois, j'ai jamais eu le temps de le faire, mais là c'est le timing idéal. Et je vous dis ça en dînant mon petit wrap comme ça ici que j'essaie de fermer sans tout faire tomber. J'ai tellement faim, il est genre 11h20. Mais je pense que mon déjeuner était trop petit parce que je suis abîmée. Je sais pas si vous allez être capable de voir, mais en tout cas c'est du tofu râpé qu'on a fait. Je pense que j'avais jamais pensé faire ça, mais c'est tellement une bonne idée pour varier la texture, puis ça fait plus comme une imitation un peu de, ben, de viande hachée, là, je sais pas trop. Bref, je mange une petite bouchée, je fais mes petits pauses que je dois faire aujourd'hui, puis après ça je vous reviens pour le planning de la semaine côté bouffe, parce que je pense qu'on va se régaler honnêtement. Fait que mon but cette semaine, c'est de manger pas que, mais le plus possible de recettes venant du air fryer. Et là, je suis sûre que ça va être tout, c'est quoi un air fryer? Là, c'est la grosse mode depuis un an ou deux. Nous, on en a acquis une, ça doit faire un an et demi, je sais pas trop. C'est celle-là, en fait, la gourmière, Pat l'avait achetée au Costco. Puis au début, je vous avoue, j'étais vraiment pas sûre, parce que j'étais comme, oh, un autre gadget culinaire qu'on va se servir deux fois par année. Puis c'est tellement gros, tu sais, c'est massif. J'étais comme, il faut qu'il rentre dans une des armoires, sinon c'est non, là, genre. Puis pour vrai, on aime bien ça, mais on s'en sert depuis qu'on l'a beaucoup pour faire genre des frites, des enfants de même. Tu sais, je l'ai pas encore beaucoup expérimenté, mais je sais qu'on peut même faire des desserts là-dedans. Tu sais, c'est comme un mini four, là. C'est un four à air chaud. Puis l'avantage, si vous savez pas trop c'est quoi, c'est que vous avez pas besoin, ou ben très peu, en fait, de mettre d'huile. Moi, ce que j'aime perso, c'est que ça cuit très vite les aliments. Chaud, ça les rend, c'est ça, très crispy, très vite. Faut juste, c'est ça, peut-être faire attention justement si vous mettez pas d'huile, parce que là ça se peut que ça vienne trop sec, genre le tofu va être juste comme trop crispy, trop sec, pas juicy, pas un petit peu gras là, tu sais. Fait que bref, ça c'est pour des petites infos techniques là avant de commencer. Mais sinon, je vous ai demandé sur ma chaîne hier, est-ce qu'il y a des recettes de air fryer que vous voulez que je teste et tout. J'ai pas eu beaucoup de réponses, mais entre autres j'avais eu ça dans les collations qu'on va essayer cette semaine. Il y avait sur le site cuisinemoi.ca des biscuits choco banane au air fryer, qui ça a l'air des biscuits quand même, tu sais, santé, qui a dit c'est bon pour toute la famille, ça se prépare en 5 minutes, très très simple. Fait que ça, dans le fond, à chaque fois que je vous colle une recette, je vais noter les ingrédients. Comme ça, peut-être ce soir ou un autre jour, on va pouvoir aller, ben ce soir ou demain, là, clairement. Si je veux faire ma semaine au complet, je pense que ça va être ce soir. On ira pas depuis moi à l'épicerie, donc ça prend une banane. Je vais mettre une petite banane. On va checker s'il me reste du beurre d'amande, parce que je pense que non, puis ça en prendrait. Gruau, j'ai ça, poudre à pâte, pépites de chocolat, j'ai tout ça. Puis là, hier, je me suis rappelé qu'on avait justement un petit livre de cuisine ici, Gourmia. Il y a des recettes, mais il n'y a pas grand-chose de végé. Tu sais, il y a des légumes d'accompagnement, des affaires de même, mais c'est ça. Je pense que si vous êtes végé ou vegan, vous allez peut-être avoir de la misère à trouver full recette que vous pouvez faire au air fryer, mais dites-vous que ce que vous faites habituellement dans le four ou avec une poêle, vous allez pouvoir probablement le faire là-dedans. Mais dans mon sel, j'avais pris en photo l'autre fois un magazine que ma belle-mère avait qui était des recettes de air fryer. Fait qu'il y a des recettes que j'ai pris là-dedans qui étaient végé ou qui peuvent être véganisées si on veut. Fait que j'ai juste retrouvé mes petites photos. Ok, fait que tu sais, il y avait des choses comme, mettons ça, des mini pizza bagels. J'ai la recette juste à côté, tu sais, c'est vraiment simple, mais c'est juste pour avoir l'idée. Évidemment, on a besoin de bagels. Assaisonnement italien, tranche de mini pepperoni, ça je pourrais en mettre des ives, olives noires, poivrons, ils disent brocoli, bacon, je vais juste le skip, je pense que ça sert à rien. Bon, ça c'est prêt. Ensuite, il y avait ça, que mon chum était full down qu'on essaye, des petites pochettes comme ça, cheeseburger, je trouve c'est vraiment original, on n'a pas à faire la pâte aussi. Ça c'est le genre de revue qui n'avait pas trop d'ingrédients, pas trop d'étapes, super simple, super rapide. Prochaine recette qu'on va faire, le tofu façon croquette de poulet. Ça je me suis dit je vais l'accompagner avec quelque chose, des choux-fleurs en fait, des air fryer cauliflower, j'en fais jamais perso. Fait qu'on va essayer ça. Il y a aussi ça que j'ai vu, les air fryer zucchini fries. On a trois zucchini que Pat a acheté, que c'était pour une recette puis ça n'est pas servi. Fait que je pourrais faire ça aussi en accompagnement. C'est vrai, ça donne aussi qu'on a plein de pommes de terre. Fait que là, j'avais pris en photo, ça tombe bien, les patates grecques ici comme ça au air fryer. C'est sérieux, pour les frites, nous, on aime tellement ça parce que ça, c'est rapide. C'est comme crispy, mais en même temps mou en dedans. Fait que ça, bon, évidemment, j'ai tout ce qu'il faut pour ça. C'est juste des assaisonnements. Comme dessert, il y a les mi-cuits au chocolat aussi que je voulais essayer parce que Pat, c'est un petit dessert préféré. Puis je pense effectivement que le air fryer pour ça, ça devrait bien marcher. Fait que ça, je sais pas si j'ai tout. Chocolat noir, 70%, beurre, œufs, sucre, vanille, farine. Ok, il manquerait peut-être juste du chocolat, je vais regarder. Puis c'est vrai, parlant de patates, l'autre jour, je suis allée à le frier. On a essayé avec Pat les poutines déjeuner. Oh my god, j'avais jamais pris ça. C'était tellement test, mais je me disais, hey, on pourrait peut-être essayer de reproduire ça à la maison. Genre, on a plein de patates, faut juste les couper en rondelles.
un peu épaisse. Après ça, ils mettaient de la sauce hollandaise. Il y avait aussi des fromages en grains que je vais noter. Et moi, c'était végé. Fait que moi, c'était aux tomates séchées puis aux olives. C'était full bon. Pour compléter, je vais y aller avec notre livre favori de ce temps-ci qu'on n'arrête pas de vous parler. Je vais faire le bol Bouddha. Je l'ai jamais fait parce que le tofu comme ça, genre croûté, parmesan, je sais pas trop. Je peux très bien faire ça au air fryer. Fait que je vais noter aussi ces ingrédients-là. Mais vous voyez un petit peu la semaine de bouffe, où est-ce qu'on s'en va. Je pense que c'est ça. Je vais avoir un peu de tout à tester, des accompagnements, des desserts, des collations, des plats principaux. J'ai vraiment hâte. Donc, si ça vous intéresse, et évidemment, ça sera toutes des recettes végé ou vegan, ben vous êtes les bienvenus. Hein? Je vais vous dire les meilleurs, comme ça vous les essayerez à votre tour. Puis, ben voilà. Bon, les amis, je viens de changer de chandail. Là, on s'en va l'épicerie et je crois qu'on va aller au Walmart. C'est rare qu'on y va, d'ailleurs, on fait jamais l'épicerie là. Mais là, ça fait deux fois qu'on y va. Et c'est vraiment moins cher qu'ailleurs. Et avec les prix d'épicerie tellement élevés et le fait que j'ai une liste d'épicerie, genre ça de longue, ça va être vraiment, je pense, bénéfique pour nos portefeuilles d'aller là. Et il y a tout, hein, il y a de tout. Fait que ça, on fera pas deux, trois places. Pour la recette de cheeseburger, ça prenait une sauce Big Mac et on a trouvé sauce secrète. C'est parfait. C'est parce qu'il y a genre pas un chat en ce moment dans Walmart, fait qu'on déconne un peu, mais faudrait que je vous insère le TikTok pourquoi on dit bucket. Ça en 2022, gang. Petit Red Bull de temps en temps, là. Oh! Je fume pas, je bois pas, mais petit Red Bull de temps en temps quand je suis fatiguée, moi qui ne bois pas de café. Oh! Pat me tente! Diable! Que fais-tu? Ouais, Pat m'accompagne dans ce vice parfois. Non, mais c'est full rare qu'on l'en prend, mais comme. Je bois pas de café, là. Puis ça marche pour moi parce que le café, ça marche même pas. Ça me réveille pas, mais ça, ça marche. Bon, bonjour tout le monde! Je viens de filmer plein de contenu. Et là, ben, on s'en va cuisiner parce qu'il est 11h30. Je suis débordée, j'ai un rendez-vous aujourd'hui à 2, puis après ça, 1 à 6. Fait que, ouais, je veux faire la recette la plus rapide parce que, dans le fond, j'ai pas pogné une bonne semaine. Je suis genre vraiment trop occupée pour faire ce vlog-là. Mais non, ça va être correct. Je veux juste voir vraiment ceci dans les temps. Les pizza bagels, ça a l'air que c'est 20 minutes. On va faire les pizza bagels. Ça va être un beau petit dîner très rapido. Donc voici mon air fryer, tout le monde, gourmand. Chaîne de vlog gourmand. Elle est pas trop grosse par rapport à d'autres, moi je l'aime bien. C'est un bon petit format, peut-être pas faire plusieurs trucs en même temps, une grosse batch, mais pour vrai ça va. Puis là je vais la partir parce qu'il disait de préchauffer, je pense à 200. Il y en a que je coupe des petits légumes, mais c'est clair que ça se fait vite, faut cuire ça genre 3-4 minutes. Ok, perfect, let's do this. Ok, fait qu'on fait l'assemblage, sauce, petit pepperoni Yves, on va en mettre un dans le milieu pour boucher le tout. Hop, hop. Dans le fond, c'est vraiment petit comme surface, fait que essayez de faire des petits morceaux de tout. On va mettre un petit peu d'épices grecques, italiennes, excusez. Des olives, beaucoup parce que j'adore ça. And of course, the cheese. Je sais que c'est genre un débat mondial, est-ce qu'on met le fromage direct sur la sauce ou par-dessus, mais moi je mets par-dessus. Parce que ça tient puis ça goûte plus, j'ai l'impression. Tadam, on met ça au four pendant 5 minutes, là d'habitude j'ai une petite grille mais elle est sale. Fait que je vais essayer direct là-dessus, ça devrait bien aller pareil. Même que ça colle pas trop, j'aurais peut-être dû mettre un peu d'huile. Ok, je vais faire ça puis je les repars, attendez. Oh wow, ça fait juste 4 minutes, le fromage est déjà comme tout grillé, fait que c'est prêt. Yay! Fait que c'est mon premier petit dîner air fryer. Je vais goûter à l'instant. On a pris des bagels au fromage, idée de pâte. Les autres, je sais pas quel bagel les conseiller, mais... Ben écoutez, ça le fait. La seule affaire, c'est que faut pas s'attendre à un restaurant Michelin, mais le goût est bon. C'est juste le bagel, ça fait quand même une pâte épaisse. Fait que si vous aimez des pizzas croûte fine, j'essayerais sûrement avec un genre de pain, tu sais, les pâtes à pizza qui vendent. C'est peut-être juste ça parce que ça, c'est moins cuit, mettons, que dans le toaster. Fait que ça garde une texture un peu pâteuse, mais non, le goût, ça va. Oh, ben j'ai bien mangé, fait que là, Pat aura tout ce qu'il faut ce soir quand il rentre pour manger sa petite pizza, lui aussi. Visiblement plus repulpée.
OK, gang! Fait que j'ai pris un peu d'avance tantôt. Je voulais préparer la marinade du jour. Là, mon ami Tommy est arrivé parce qu'on filmait. Fait que je l'ai comme abandonné à mi-chemin. Mais juste pour vous dire, c'est la marinade de la recette de tofu aujourd'hui que j'essaye parce que c'est des croquettes style poulet, là, ben tofu. Mais il faut que le tofu marine dans de la sauce soya, de la coriandre et de l'ail et du gingembre que je m'en allais couper tout de suite. J'ai quand même de l'espoir, je vous avoue, pour la recette d'aujourd'hui parce que c'est ça, j'ai redîné les petites pizzas puis comme... C'est correct, mais c'est pas wow. Mais tu sais, en même temps, j'avais du pepperoni végé. Peut-être que ce serait meilleur avec du vrai pepperoni. Fait que je vais grater mon petit gingembre. C'est mon gingembre de potager en passant. Il m'en reste plein encore. Il est congelé. Fait que je vais juste le râper de main. À l'œil, là, tu sais, on s'en fout. Là, c'était pas une cuillère à soupe pile. Là, mon tofu, ça fait plusieurs heures qu'il est là-dedans. Je vais essayer de le drainer, mais il en reste pas beaucoup. Je l'ai vidé aussi tantôt, c'est un tofu press. Dans le fond, moi, je m'en sers pas beaucoup. Pat, quand il cuisine, oui. Moi, je vous avoue que ça dépend. Parce que d'habitude, on prend une autre sorte que là, il y avait pas au Walmart, qui est ferme. Mais, mais celui-là, qui est plus mou, que j'aime moins. Je me demande, est-ce que je le coupe? Je pourrais faire des petits morceaux en plus, style croquette de poulet. Fait que je mets ça comme ça. On dirait que c'était comme un mix très asiatique. Fait que ça m'étonne, ça va donner une imitation de croquettes de poulet, là, je vous avoue, je suis comme... Fait qu'on se revoit tantôt pour la suite! Alors, petit flop, on a oublié d'acheter un chou-fleur. Fait qu'il n'y aura pas la recette de chou-fleur. À moins qu'on en achète un autre jour, mais là, comme accompagnement du tofu, parce que juste ça, c'est un peu plate. Même que si j'ai le temps, j'aimerais ça essayer de faire une petite salade pour accompagner ça, mais j'ai comme un rendez-vous, là, tantôt, fait que je rush un petit peu à tout faire. Comment ça, we cannot deliver? Je suis ça! Incorrect address? Mais voyons donc. Attendez, excusez, là. Ils ont pas mis mon adresse. Il manque ma rue. Fait que je vais aller chercher mon gros sac de patates. Comme tu disais, j'en ai plein à passer. Ah, puis pour les ingrédients, je vais vous montrer. C'est très simple, genre vraiment sommaire. Petite patate grecque. Toute facile. Bon, là, je pense qu'il faut laisser la croûte absolue, mais mes patates ont germé, genre. Fait que je vais enlever des petits bouts de la croûte. Fait que pendant que les patates cuisent, finalement c'est un peu long, hein, mais c'était pas la recette initiale non plus avec le chou-fleur. Je vais faire des petits batter pour le tofu, fait que ça prend 3 œufs. Dans un autre bol, on met une demi-tasse de chapelure nature. Ouais. Avec les chapelures, on met aussi 2 cuillerées à thé d'épices barbecue. Et ça a l'air... Oh, quand même! C'est un bon début! Ça sent vraiment bon. Finalement, il me restait du chou. Fait que je vais faire une salade de chou en accompagnement. Puis je suis sur le site de Ricardo. Puis clairement, j'ai jamais fait de salade de chou crémeuse parce que il faut de la relish, du lait, je sais quoi. Il faut 3/4 de tasse de mayo. J'espère vraiment qu'en brassant, ça va avoir l'air bon parce que là, tout de suite, ça a l'air de rien. Mais mettons, c'est-tu bon? Ça le fait! Je trouve que ça goûte vraiment la relish par contre. Mais... Il reste 2 minutes aux patates, fait que là, moi, je vais enlever ça de la marinade et faire comme ils disent, donc dans la fécure, ensuite dans les œufs et dans la chapelure, comme ça. Ok, 20 minutes plus tard, check les patates. Elles sont tellement belles, là. Ok, fait que tofu, j'ai juste fait la moitié pour pas surcharger et pour gagner du temps. Je vais mettre 10 minutes pour les retourner. C'est aussi, by the way, hein, les belles petites patates grecques. C'est juste la moitié de tout ce que j'ai fait tantôt. J'ai gardé les autres comme crues au frigo pour demain les avoir crispy ou en fait dans la semaine là, avec n'importe quel autre repas. Fait que Pat, il dit que la salade de choux... Ah, Pat dit que tout était bon! Parfait, merci, cœur! Ouais, petite patate, j'aime bien ça. Quand on est revenu de mon rendez-vous, puis quand on est rentré, ça sentait juste les patates comme ça, mais ça sentait le resto. Fait que ouais, c'est vraiment bon. Là, je vais essayer le tofu qui m'intrigue à cause de la marinade. Voyez-vous la texture, il n'y a pas comme brûlé. Je pense pas que ça va être trop sec justement avec une petite sauce. Full crispy thick, genre. Ah ouais, c'est bon. C'est quand même salé par contre, ça goûte la sauce soya. J'ai eu de vous montrer en dedans parce que il a teinté un peu, là, genre, à cause de la sauce soya. Fait peut-être que je mettrais moins de sauce soya. En tout cas, c'est des beaux morceaux. Fait que yeah! Hello!
On est jeudi, milieu de journée, juste avant d'aller commencer mon montage, je voulais essayer une petite recette avec vous. Mais ce coup-ci, une collation, ça va être la seule, je pense qu'on essaie. Ouais, il me reste un dessert, c'est vrai, faudrait que je boucle le dessert éventuellement dans la semaine, avant que ce soit trop tard. Mais non, là, c'est ça, c'est une recette d'une abonnée, je pense que c'est son blog. C'est biscuits choco, banane au air fryer, cuisinemoi.ca, Émilie Lamarche. C'est 5 ingrédients, 5 minutes. Ah, oh, ça là, là tu me parles, ok, go. Ça prend une banane, moi j'ai une demi ici de ce matin, mais... Un peu plus qu'une demi, je vais peut-être en mettre deux pareils. Fait que là, faut l'écraser. Après ça, un quart de tasse de beurre de noix. À part de beurre d'amande, j'en ai acheté, mais je vais mettre aussi un peu de beurre d'arachide parce que j'adore le beurre d'arachide. Une tasse de flocons d'avoine. C'est pas compliqué, là, tu vas juste tout mélanger dans un bol. Après ça, il reste juste un peu de pépites de chocolat, une demi cuillerée à thé de poudre à pâte et c'est tout. J'ai mis 6 petites galettes. Maintenant, c'est parti. Je vais mettre un petit peu plus de temps. Oups. Bon, j'ai juste de poster mon petit reel du jour et là, je vais goûter à ça parce que ça sent tellement bon. Pour vrai, après 2 minutes sur 5, ça sentait super bon dans la maison. Fait que voilà, les résultats, ils sont bien dorés quand même. J'en ai un que j'ai cassé en deux, mais sinon, ça a l'air de se tenir. Ouais, juste avec la banane, c'est quand même fou. Puis je vous dis, c'est sûr, c'est bon. Ça sent trop bon. Je sais pas froid que ça va donner, mais là... C'est comme une genre de biscuit galette gâteau mou, un peu tiède, puis c'est vraiment bon. Ça goûte la banane, ça goûte les noix. C'est clair que j'aurais fait cette recette et je suis persuadée aussi que Pat va adorer en rentrant tantôt. Salut tout le monde, donc c'est l'heure du souper. Je suis un peu en retard, il est 5h45, on va s'y mettre. Ce soir, ce que je voulais cuisiner, c'est ça ici, le bol Bouddha avec le tofu croustillant au parmesan et sauce à l'avocat que je ferai pas parce que l'autre fois à l'épicerie, on avait acheté ça, donc ça va très bien remplacer d'après moi. En fait, c'est pas une recette qui se fait au air fryer, c'est juste moi, je veux faire le tofu au air fryer. Fait. Et là, je viens de me rendre compte, j'ai pas de riz brun comme à suggère, fait que je vais prendre le riz J qui est étuvé. Oh! Là, je vais tout de suite m'occuper de mon tofu parce que je veux les goûter. C'est encore le même maudit tofu que je trippe pas, mais c'est le seul qu'il y avait là-bas. Squeeze là-dedans. Hop. Là, je vais préparer tous les légumes. Fait qu'il y a poivron, carottes, concombre, tomates. Fait que le bol avance, là pour les légumes, la seule chose qui manque, c'est des micro-pousses de luzerne. Et là, je suis trop contente parce que ça fait, je pense, un mois que j'ai découvert ça. C'est des, comment dire, des strainers. En tout cas, ça vient de West Coast Seeds, là, où ce qu'ils vendent des semences. Je mettrai le lien en barre d'infos, mais c'est ça, ça permet d'égoutter. Dans le fond, tu mets des graines de luzerne là-dedans, t'égouttes, ben tu laisses tremper, après ça t'égouttes. Puis tu rinces 3-4 fois par jour pendant genre 3-4 jours, le temps que ça se développe. Ça, c'est, ça fait juste 3 jours, là, puis ça a tout poussé, c'était que... des petites graines il y a 3 jours, fait que moi j'aime vraiment ça, je laisse sortir, c'est ça, dans mon petit pot comme ça, juste pour avoir un angle de 45 degrés, faut rincer pour éviter la contamination ou la prolifération, c'est-à-dire des bactéries, en tout cas. Faut faire attention quand on en fait, c'est la seule affaire, mais moi en tête, il y a pas de problème, il y a vraiment pas de traces de moisissure ou rien, ça coûte tellement moins cher qu'à l'épicerie, là, genre je pitche une poignée de graines, 3 jours c'est prêt, c'est full facile, puis après ça, ben faut que tu le consommes en dedans de 3-4 jours. Là, maintenant que c'est prêt, j'avais bien timé mes affaires. Ça ajoute genre un beau petit crunch honnêtement à toutes les salades, les sandwichs. Comme je dis, c'est tellement moins cher qu'à l'épicerie, c'est full facile, plus facile à faire que des semis. Puis c'est plein de vitamines, oups, fait que c'est bon pour la santé aussi. Bon, ça y est. Là, il me reste juste à faire le tofu dans le fond, fait que je vais partir le air fryer pendant que je le prépare. Ici, je vais mettre la farine. Ici, un œuf battu. Avec une demi-cuillerée à thé de fumée liquide. Ça, je trouve ça intéressant pour vrai. Dans le troisième ici, on met une demi-tasse de chapelure. Ça dit nature. Moi, j'ai, je pense, italienne. Je sais pas trop, mais ça va être bon pareil, c'est sûr. Avec le parmesan, je me dis ça peut pas être raté. Avec un quart de tasse de parmesan. Poudre d'œil, cuillère à thé. À peu près la même chose. Oignon aussi. Mon copain! Là, par contre, j'ai pas le timing, fait que je vais checker. Je vais checker de temps en temps. Oh yeah! En quelques minutes seulement, voici le résultat! Je l'ai coupé pour que ça soit plus facile à manger, mais tadam! Puis j'ai calculé 3 morceaux, ben 3 tranches de même par portion, mais on dirait que ça fait plus beau que j'en mette juste une pour vous montrer. Fait qu'avec la petite sauce créma... Oups! Mon dieu, ça en va partir. Oh non! Ça fait un trop gros geste, c'est même pas beau. En tout cas, je pense que ça vous donne quand même une bonne idée. Hey, c'est un beau bol santé, je capote. Je sais pas si ça va être bon. La sauce est bonne. Toi, t'aimes-tu? How good's looking for you? Correct?
est samedi aujourd'hui. Il me reste encore quelques recettes à faire. Ce matin, j'ai maquillé mon ami Léa. J'ai mangé un peu de raisin, mais là, ça m'a donné faim. Fait que je vais faire à dîner. Puis on va se faire un genre de wannabe brunch aujourd'hui. Parce que j'avais prévu faire, en fait, une recette qui est pas une recette. C'est juste qu'on est allé manger, ben bruncher justement, à Le Frier le week-end passé. Puis là, on a envie d'essayer de reproduire leur poutine déjeuner. Parce que, sérieux, elle était tellement bonne. J'avais jamais pris ça, mais c'était dans le cadre de la Poutine Week. Parce que là, ils remettent 1$ à Anneb, tout le mois, c'était du 1er au 14 février, je pense. Allô, Lily! Puis, c'est ça, la mienne était vraiment bonne. C'est celle qui s'appelle genre Elvis Graton à Santa Banana, je sais pas quoi, là. Fait que si vous y allez, prenez celle-là. Ça va faire une pierre deux coups. Mais là, on va essayer de la reproduire aujourd'hui à la maison. Fait que quand t'es déjà sur la coupe de patates, moi, je vais faire la sauce hollandaise, laver le air fryer. Faudrait des oignons verts, puis j'en ai dans mon potager, mais genre, il est clairement trop enneigé en ce moment. Si je tasse tout, je serais capable d'aller en chercher, mais je voulais pas souhaiter pas déneiger, fait que je me rendrai pas. Oh my god, je suis en train de checker comment on fait une sauce hollandaise. Fait que je pense que j'ai jamais fait ça. J'étais comme, faut sûrement mélanger tous les ingrédients que je vois. Ben non, tout. Ben Marie. Faut éteindre le jus de citron, l'eau et les jambes de déposer au-dessus de l'autre. Faut éteindre, épaisse, mousseuse, retirée. Là, on met le beurre en filet, on sale le poivre, on réserve la température en bain, puis on remet ce bain Marie quelques secondes. Ok, on va ça. Bon, mon bain Marie est parti. Je suis en train de faire mes patates. On va préchauffer. Les patates sont coupées. Je sais pas comment les faire. On en a les autres sont frites, clairement. Fait qu'on va juste mettre. Ben de l'huile, je pense que ça va être correct. Mon beurre est fondu, je reviens. J'ai même plus de bain-marie, là, de chaudron pour faire ça. Ben, je suis comme... Ah, ça pue! Pourquoi ça sent le poisson? Des jaunes deux cuits avec du citron. Oh! Au moins, ça commence à épaissir. Comme ils disent, il faut que ça devienne épais et mousseux. Là, ils disent de retirer et mettre le beurre. On a eu un petit dégât. Le pot de beurre était très chaud. Je l'ai échappé à moitié sur moi. Je me suis un peu brûlée. Puis là, ben, on l'a versé, mais pas pendant qu'il était tempéré. On voulait juste se sauver parce qu'il coulait partout. Alors là, ma sauce, ça ressemble à une sauce hollandaise, mais liquide. C'est sûr, ça donnera pas pareil que là-bas. Là, je vais mettre le fromage squeak squeak. Si vous êtes en France, peut-être que vous connaissez pas ça, mais c'est très bon. Ensuite de ça, je vais mettre ma sauce hollandaise qui finalement a bien sorti, mais il fallait que je mette au frigo. Ouhouhou. Mais comme qu'on mangerait pas ça tous les matins. Petite tomate sécheuse. On va un petit peu de verre pour décorer. Voilà! Poutine déjeuner, les amis. Version maison. Est-ce que ça va être bon? Suspense! Moi, je pense que ça va être vraiment pas bon par rapport à Le Frier. C'est bon? Mais t'as ri au début, fait que je pensais que c'était pas bon signe. Parce que c'est ça, la sauce hollandaise, c'est beaucoup de beurre. Fait que dès qu'elle a touché mes patates chaudes, redevenue de beurre. C'est juste du beurre. C'est du beurre fondu, ça dégouline. C'est abominable. Faites-moi plus jamais faire de sauce hollandaise. Le beurre fondu moyen, mais le goût est quand même bon. Coucou tout le monde! J'ai filmé un petit reel qui m'a pris... Ben pourquoi je dis petit? C'est ça, il m'a pris bien trop de temps. Genre il est rendu 2 heures, c'est ridicule. Faut que j'aille faire à dîner. J'ai mangé un petit peu en attendant, mais là je vais aller faire la salade qui était prévue cette semaine. Salade inspiration Mendy's, mais je vais la tweaker un peu parce qu'il y a comme 2 affaires que j'ai pas. Fait quoi, ouais, il reste ça. Bientôt je vais faire la recette au air fryer de cheeseburger avec des zucchini fries. Il va rester aussi un fondant au chocolat à faire, puis après ça j'aurai épuisé toutes mes recettes. Fait que ouais, je suis vraiment contente à date, je fais des belles découvertes. Fait que c'est cette salade là, si jamais vous avez le livre des salades Mendy's comme ça, elles sont délicieuses, mais je me répète peut-être, elles sont un petit peu compliquées par contre. Pas compliquées au sens comme c'est dur à faire, mais c'est juste il y a beaucoup d'affaires, plus ta sauce qui est à une autre page, plus des fois les protéines, genre je trouve un peu chiant, mais elles sont très très bonnes. Alors là la vinaigrette que je vais faire c'est curry du yogourt. Ah oui, puis juste en anglais pour ça. Fait que c'est ça, c'est du yogourt avec du curry puis plein d'autres affaires. Vous avez compris, c'est pas une recette qui se fait au air fryer, mais je vous la montre quand même rapidement. Checkez-moi ça, la belle grosse salade, sérieux, c'est tellement bon, c'est tellement frais. Saveur différente de ce qu'on fait d'habitude, là, tu sais. Poivron, ananas, c'est super bon. Là, ma Lily, à chiant, elle veut jouer et tout mêler parce que je dîne à genre 3 h. Il est rendu 2 h 56. Et retourne travailler, oui, oui, oui. Moi, on est un petit peu plus tard en soirée, puis là, tantôt, il fallait que je vous dise, my god, la soeur à Pat m'avait donné l'idée l'autre jour. Elle a fait des grilled cheese dans l'air fryer, je vous jure. C'était le meilleur grilled cheese de ma vie, genre il était crispy
parfait. Même Pat était comme, ouais, il est fucking bon, fait que j'étais vraiment contente. C'est clairement dans les choses que je vais refaire. Mais là, on avait un dessert à faire. Je pense que je vais le faire, yeah. On va manger de la salade. Là, on va faire un mi-cuit. C'est le dessert préf à Pat, fait que ouais, je vais aller faire ça. Comme ça, il va nous rester juste une journée avec deux recettes à essayer. C'est encore et toujours une petite recette de notre cher magazine. Ça va être tellement bon. Ouh, regardez-moi ça après 9 minutes, comment c'était beau. C'est sûr, c'est prêt, ils ont craqué. Ok, wow, ils sont parfaits, checky. Ça va être tellement bon. J'ai ouvert le mien, mais c'est encore trop chaud. J'aurais peut-être mis même 8 minutes pour que le centre soit plus coulant, parce que celui de tête, il est beau. Fait que moins longtemps. Mais c'est vraiment bon. On dirait que je mange un gros muffin au chocolat, genre. Les amis, c'est mon petit moment décompresse. J'ai filmé toute la journée, j'ai fini à 3h, là, je suis en train de faire des posts médias sociaux. Et je pense que ça va être la dernière journée, ouais, la dernière fois qu'on se voit pour ce vlog-ci parce que j'ai épuisé pas mal toutes mes recettes. Là, en gros, ce qui me reste à faire, ce que j'aimerais faire en entrée, c'est les frites de zucchini parce que nos 3 zucchini sont encore très beaux. Après ça, je vais essayer la recette de cheeseburger, que ça m'intrigue vraiment. J'ai l'impression que ça va pas bien aller, mais je sais pas pourquoi. Et avec ça, ben, je vais servir de la salade vu qu'il me reste un cœur de romaine complète avec la sauce de notre salade d'hier dans le fond, fait que c'est pas mal. Après ça, on va avoir fait le tour, puis pour vrai, j'aurais dépassé le une semaine, ça se sera échelonné sur genre une semaine et demie, fait que en tout cas, si vous faites les recettes, vous saurez que ça dure quand même un petit bout tout ça. Ok tout le monde, fait que je finis de travailler, puis je vous revois un peu plus tard en cuisine. Ok, je suis full excitée, j'ai faim. Salt, ok, je pense que j'ai tout sorti, c'est vraiment pas compliqué, dans le fond, on commence par couper les zucchini. C'est 9 minutes à 350. Ah, il commence déjà certains à brûler un petit peu. Je pense que je les ai enlevés tout de suite. Ouais. Dame! Je vais prendre un petit bout juste pour goûter. J'imagine que c'est full chaud vu que c'est très humide en dedans. Honnêtement, je crois que j'ai jamais commandé ça au resto. Fait que je sais pas exactement ce que c'est censé goûter. Je trouve que là, tu sais, je goûte le zucchini mouillé qui est très chaud. Puis la chapelure qui est comme pas assez goûteuse. Mais peut-être avec une petite sauce, ça serait moins sec, ça serait bon, je pense. Parce qu'ils ont bien sorti, mais je sais pas. Ça goûte pas comme wow. C'est pas salé, genre. C'est, je sais pas, il manque de quoi. Je vais essayer avec une sauce. Finalement, on s'en refait. C'était pas si pire. Plus on en mangeait, plus mieux c'était. Mais ça prenait vraiment la petite sauce, là. C'est ma trempette de légumes d'hier. C'était vraiment meilleur avec ça. Bref, là, je m'en vais voir. Ça prend combien de temps? Faire les cheeseburgers. Pochette cheeseburger. 40 minutes. Oh boy. Ah, mais c'est ça. C'est parce qu'eux, ils font cuire le bœuf haché dans une poêle. Nous, moi, j'ai acheté une affaire pleine base comme ça. Puis, je pense que je vais faire ça aussi, dans le fond. Les autres, ils ajoutent, c'est ça, l'oignon, après la sauce à burger, les épices à steak, tout. Le cornichon bacon. Puis après ça, ils font la pâte, là, qu'on a acheté, Pillsbury. Et mais, puis c'est ça, la cuisson, c'est genre 5 minutes. Fait que c'est vraiment pas long. J'adore comment j'en ai fait un huge, j'ai un tout petit. Fait que là, c'est 5 minutes chaque bord. Mais j'ai pas le goût d'y retourner. On dirait qu'ils vont m'écraser et puis s'ouvrir. What? Checkez ça. 5 minutes, je les ai même pas revirés. Ils sont parfaits. Ils sont tout bruns. T'as la partnouche. Hey, c'est impressionnant cette recette. Sérieux, ça a l'air en masse cuit. Ça a l'air délicieux. Je vais le couper en deux peut-être pour vous montrer en dedans. Honnêtement, j'aurais pensé que cette recette était beaucoup plus difficile que d'autres. Ils sont genre parfaits. Je vais écouter tout de suite pour dire si c'est bon, même si ça a l'air vraiment trop chaud. No way. Non. Ok, c'est tellement bon, faut qu'on voit pas, là. Pat va capoter. Sérieux, il y a tout ce qu'il faut, puis c'est genre une pizza pochette. C'est parfait. Qui a eu cette brillante idée? C'est full taste, ça fait vraiment genre burger, mais style un peu différent, là. Genre plus cochon, pâtisserie, là. Fait que j'ai emmené ça à Pat avec la salade que j'ai récupéré, ma vinaigrette de Mendy's, parce que ça en avait fait genre 2 doses. Fait que moi, je trouve ça délicieux. C'est un peu salé, fait que moi, je couperais avec du ketchup par-dessus, mais c'est vraiment bon. Regarde!
sais pas pourquoi ça sortit autant salé parce que le mix de viande. J'avais acheté surtout de la fumée liquide. Hein. C'est cochon, hein? C'est chaud en automne, ça goûte pas. C'est bon, hein? C'est vraiment un cheeseburger, mais version un peu plus peach. C'est long à faire. Non, c'est pas long, c'est ça. C'est juste la farce. Puis la pâte, tu l'achètes faite. Fait que je la fais juste rouler. Puis. Ok, fait que c'est l'heure de la conclusion. Je suis allée chercher ma petite feuille pour me rappeler tout ce qu'on a mangé si jamais. Qu'est-ce qu'on a préféré? Moi, je sais, ben là, c'est frais dans ma tête, mais hier, les petits mi-cuits, c'était super bon. Poutine déjeuner, toi, t'as bien aimé ça, mais moi, j'ai chié ma sauce hollandaise, selon moi. Fait que si je peux trouver une façon qu'elle se tienne, ça peut être nice comme idée repas aussi. Patate grecque, c'était vraiment bon. Les grilled cheese, ouais, qu'on a découvert hier par hasard. En plus, ce matin, je me suis fait une toast. J'ai mis juste un peu de beurre, je l'ai fait là-dedans, puis j'ai mis du beurre de peanuts. Je vous jure, ça goûte pas pareil pantoute que le toaster. C'est bon, c'était genre crispy. Cheeseburger, j'ai aimé ça, mais finalement, j'ai trouvé ça un peu trop salé, là. Fait que faudrait le tweaker un peu moins. Mes cuits au chocolat. Ah, les biscuits aussi, de mon abonné, là. Les biscuits santé avec la banane 5 ingrédients, là. Pas facile. Fait que c'est pas mal ça. En gros, ça a été plus des réussites que des flops. Fait que voilà, j'espère que je vous ai convaincu d'acheter un air fryer. Influenceuse d'air fryer. Vous me direz, vu qu'il y avait des recettes qui étaient dans mon sel, si vous voulez, comme les quantités, que je vous envoie les photos via Instagram ou quelque chose, hein, on peut tout faire ça, là, parce que sinon, les autres, je vais pouvoir les mettre en barre d'infos, celles qui sont avec des liens. Fait que j'espère que ça va vous inspirer à essayer des nouvelles recettes au air fryer. Puis si vous voulez une prise 2, faites juste me dire dans les commentaires qu'est-ce que j'aurais dû essayer. Genre, je sais pas s'il y a des muffins, d'autres sortes de collations, des déjeuners, tu sais, j'ai genre des omelettes. Je sais pas, moi, je découvre ça à peine. Merci d'avoir été là, tout le monde. Gros bisous, puis je vous dis à très bientôt.